D'Aliacan qui se détache, d'Aliacan monté par Pierre-Charles Boudot et gagnant à Chantilly sur les images que vous avez vues tout à l'heure. D'Aliacan battait ce jour-là un représentant du prince Agacan. Pourquoi j'en parle? Puisque D'Aliacan est issu d'une souche Agacan qui a donné, qui a produit, messieurs, dames, d'Alacani, d'Eilami, ainsi que d'Algar, entre autres, et d'Olnia. Et oui, c'est la souche de d'Alacani et d'Eilami qui est représentée ici par ce fils de Riocan. C'est D'Aliacan qui est né en 2013, qui comptait 9 courses, 4 places et une victoire donc à Chantilly sur les 1900 mètres de la PSF, qui était entraîné par Jean-Pierre Gauvin. Ce D'Aliacan est monté donc par Pierre-Charles Boudot lors de ce succès qu'on a vu tout à l'heure. Riocan, le père, est un des rares fils d'Aestonor à avoir fait la monte. C'est un cheval très très dur et robuste de la famille de Gris de Gris. Et côté origine maternelle, la mère est une fille de Johannesburg. Johannesburg qui est désormais un étalon reconnu en père de père, puisque c'est le père de Sachberg, Red Jazz et surtout Scat Daddy. Tout le monde est chaud pour Scat Daddy. Il a un fils étalon, Scat Daddy, qui est malheureusement mort en décembre 2015, cet étalon. Mais il a un fils étalon, c'est No Nay Never, un ancien gagnant du prix Morny. Et la mère, côté maternelle, l'arrière-grand-mère, c'est D'Altawa, qui n'est autre que la mère de D'Alacani, d'Elami, ou encore grand-mère de Dolnia, elle aussi gagnante de groupe 1. La mère d'Alcia est une sœur du gagnant du prix de Guiche, d'Alwari, également troisième du prix Eugène Adam, et qui par la suite a été exporté à Hong Kong, où il court toujours, et où il compte 3 victoires. D'Aliacan qui fait la monte au haras de la Barrelière à 1500 euros, l'Assaï poulain vivant.